t'es assis au bar, tout d'un coup tu dis tiens, j'entends quelque chose qui sort du normal. Ça c'était vraiment un moment magique. Je pense pas que ça ait eu beaucoup de suite, mais ce soir-là, en tout cas, il fallait être présent. Transmission de pensée s'est passée ici au travers, par exemple. Qui veulent nous rejoindre sûrement, et bon ben voilà, donc la jam est ouverte. La jam du lundi, c'est une sorte de nécessité, mais comment expliquer, elle ne vient pas de moi, c'est une nécessité que m'ont expliqué les musiciens en disant il faut ce genre de rencontre pour qu'à un moment donné on puisse découvrir des jeunes musiciens, qu'on puisse d'abord les accueillir sur scène sans qu'ils y soient vraiment invités. When I came to Brussels, I didn't know anybody, and everybody told me like this is a place to go if you want to hang out and meet people. And I've met so many great players, Paolo Radoni. Hermeto Pasquale, déjà qui était un personnage incroyable. Charles Loos, je sais plus qui était le trompettiste. Philippe Catherine, Pierre Van Dormael, que je ne connaissais pas ni personnellement. Et je l'ai découvert au travers. Il jouait ici, puis après on a discuté de musique, de théorie, de religion, de philosophie, d'amour, de tout ce que... Just accept the bridge, but during the melody, keep on the on. Etc. Et ça m'a halluciné de voir. To play this music is to play with people, and to play with people that are better than you, or to also to play with people that are not as experienced as yourself. You learn a lot about the reality of playing. There's no school or no book or no record in the world that can teach you that. Arrivé des tas de choses ici sur la scène, si tu veux. Je jouais avec un des musiciens que j'aime beaucoup, Oti, avec qui, mon bassiste, on va dire. Et puis, ce mec arrivait à comprendre absolument toutes les choses que j'avais dans la tête avant que je les joue, et on jouait chaque fois toutes les choses ensemble. La première fois, c'était impressionnant parce que je venais d'arriver, on m'a parlé du travers, je suis venu voir et il y avait beaucoup de monde. À l'époque, les jams marchaient bien, il y a quand même 10 ans de ça, 10 ans, 12 ans. Et j'osais pas monter sur scène parce que ce que je voyais, c'était vraiment fantastique, des musiciens qui parlaient un langage que je ne connaissais pas. Alors je me suis assis, j'ai regardé, puis à un moment donné, je ne sais pas, comme ça,
je me suis levé et j'ai joué. J'ai joué un tout petit peu, j'ai pas pris un long solo ce jour-là. Et j'ai surtout regardé jouer. Mon rêve, c'était de devenir musicien et je jouais un peu, mais je voulais aller jammer, j'avais un trac de... Je suis pas allé, mais parce que je les regardais et ça me faisait vibrer, quoi. C'est une vision du futur, quoi, tu vois. Donc c'est vrai que c'est ici que j'ai vu à cette époque-là, j'étais petit et je voyais tous les grands et je voulais faire ça et je voulais faire que ça. Et c'est vrai que c'est ici que j'ai commencé à réaliser ce rêve. Tu vois. Tous les disques qu'on écoutait, tous les vieux disques qu'on analysait, je veux dire, qu'on comparait nos visions sur... Je rappelle, avec Hen van de Gaen, Diederik et moi, on écoutait les vieux disques de Coltrane, Charlie Parker, Paul Chambers, tout ça. On parlait jusqu'à 6-7 heures du mat du mystère, du groove, qu'est-ce que c'était le groove, qu'est-ce qui faisait qu'une composition marchait dans les pas de l'un et de l'autre, les règles aussi, est-ce qu'on peut faire ça, est-ce qu'on ne peut pas faire ça, tu vois. De souffler comme des malades dans des heures de vent tout le temps et les mecs changent et toi tu dois faire la jam, mais quand t'es batteur en général, soit il y a beaucoup de batteurs et tout le monde se bat, soit il y a personne et c'est toi qui t'y colle pour toute la soirée, quoi. Donc ça veut dire que les types, ils sont, il y en a plein, ils ont, chaque fois il y en a un autre qui monte, chaque fois ils jouent pendant 20 minutes et toi t'es derrière en train de suer des gouttes, mais c'est aussi le truc où tu fais simplement ton apprentissage au niveau de ton métier, parce que c'est ça finalement, c'est ça, c'est la soupe, quoi. Bon, en tant que bassiste, on est un peu mis à mal dans cette jam parce qu'il y a 14 solistes qui viennent et puis on doit assurer pendant que les 14 jouent, et puis quand les 14 sont finis, on te demande si tu veux faire un solo, mais toi tu as déjà pris des moignons. Alors tu te dis non, écoutez, ça va aller comme ça. I came here a lot of Mondays. Oh yeah, many Mondays.
And there was some good and some bad, some normal, some slow, some heavy, some long, some short. But I wouldn't have missed it for the world. Fonctionner avec un répertoire commun sur lequel les gens se retrouvent et finalement il faut, enfin si tu as un peu de niveau tu peux t'inclure dans un truc comme ça sans qu'on te demande ta carte d'identité ou enfin... Expérimenter des choses et ça partout ailleurs, ben non, il faut faire ses preuves, il faut amener un CD, deux CD. This place is an institution. I mean, without this place, you know, you could set up a whole list of musicians that would not have been as well known or successful if it hadn't been for the Travers giving them the opportunity to try out their stuff. The Travers has always been an open place for everybody. And that place is now closed. It's the end of an era. It's a historic era in the development of jazz in the vicinity of Brussels. And it's too bad. It's really too bad. So that's why I'm really intend to get really drunk tonight. Okay? C'est pas une soirée triste, quoi. Je crois que tout le monde a accepté que c'est la fin d'une période et reste Jules et il va sûrement ouvrir un autre truc et voilà quoi. Mais ça a failli fermer quand même une dizaine de fois et je crois que là il faut accepter peut-être que c'est la dernière fois. Thank you.
je crois que c'est pas du tout la fin, le travers c'est pas mort quoi, c'est juste maintenant on va changer d'endroit. Le travers c'est les musiciens belges, la musique du monde entier. Tant que Jules est vivant, il y aura un travers. Même si on le torture ou si on l'emprisonne, il s'évadera pour faire des gigs de jazz quelque part. Foireux le plus possible, donc quoi qu'il arrive, je pense que ça va pas s'arrêter là, non. Okay, thank you for sticking around. Joe, why don't you come up here and play with us? This is probably the last live music in the Travers. And we're going to play a blues. Because this place is closing and we all have blues. I got the blues. Yes, I got the blues. You know why? I'll tell you later. But I got the blues. This place is closing. Boy, do I hate it. Because after all those years, this place is gone. Boy, do I hate it. I got the blues. I'm gonna miss this place. I spent so much time in this place. I can't remember how much time I spent in this place.